Wow, quel panel! Quel panel! Je suis extrêmement content de voir les représentants de l'écosystème tunisien dans tout son ensemble, les startups, les pouvoirs publics, les acteurs financiers, les supports, les organisations qui soutiennent les startups qui sont avec nous pour ce panel. Je suis très content d'être votre modérateur. Je ne rajouterai rien à ce que vous dites, mais j'essaierai d'animer cette séance. Écoutez, bonjour aussi à ceux qui nous regardent de l'extérieur de la Tunisie. On est content de partager avec vous ce message. Aujourd'hui, la Tunisie, clairement, a fait depuis les 5-6 dernières années, a fait des avancements très notables dans le domaine, l'écosystème des startups, que ce soit dans le domaine réel, des startups qui s'exportent, ou dans le domaine aussi légal, etc., etc. Ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est parler un peu plus d'une façon assez concrète des opportunités pour l'export de ces startups tunisiennes. Et une startup, par définition, elle n'est pas liée à un seul pays, mais surtout, aussi, quels sont les freins qu'il va falloir qu'ensemble on les enlève et donc vraiment les opportunités et les menaces, si vous voulez. Alors, on a un panel extraordinaire. Nos auditeurs ont vu vos biographies. Je ne vais pas les présenter. Je vais commencer par la première start-up. Mais avant de commencer, je dois signaler qu'on a un panel extrêmement équilibré en hommes-femmes. Vous êtes trois intervenants hommes, trois intervenants femmes, et aussi équilibré dans l'âge. C'est fantastique. Alors, je vais commencer par le vrai client, le vrai client qui est la start-up. Alors, on a Yasser Bouhout, qui est un start-upper qui fait son chemin en Tunisie. Si tu peux nous parler un tout petit peu de ta start-up et puis donner ton point de vue sur ce qui a été accompli et ce qui reste à accomplir pour toi en tant que start-upper. D'accord. Alors, merci d'abord à Emerging Valley pour cette occasion, cette opportunité. Merci à vous tous, les autres panélistes. Je suis honoré d'être parmi vous et merci aux auditeurs et aux auditrices. En tant que start-upper, je présente rapidement. Je ne suis pas là pour présenter ma start-up et pour parler plutôt au nom des autres start-upper. Alors, nous, à Zaira, on est une start-up de l'agritech. On développe, on intègre et on commercialise des outils technologiques destinés aux agriculteurs ou aux sociétés agricoles. On a notamment trois produits. Un ERP agricole, c'est un système d'information de gestion agricole. Un système de pilotage d'irrigation, ça c'est deux produits qu'on commercialise déjà. Et un robot agricole, c'est comme un tracteur électrique autonome. C'est un vrai robot agricole qui peut effectuer des tâches, différentes tâches agricoles, donc qui est en cours de développement et recherche. Alors, on travaille en Tunisie, on vend en Tunisie essentiellement. On n'a pas encore fait de chiffre d'affaires à l'export, mais on est destiné, on a commencé sérieusement à prospecter. On est arrivé même à conclure, sauf que tout a été arrêté à cause du Covid, notamment au Maroc et en Algérie. Alors, pour les difficultés que rencontre une start-up, ben, tout dépend du produit, mais il y a des difficultés ou il y a des problèmes, voilà, des facteurs. Plutôt des facteurs endogènes et exogènes. Il y a des facteurs qui sont liés à l'administration, à l'écosystème, à la lourdeur administrative, des freins qui sont relativement résolus quelques parties grâce notamment au Startup Act, à tout ce qui a, tous les efforts qui ont été faits par l'écosystème, par l'administration, par le gouvernement, par Sinoamen surtout. On espère voir cet élan continuer et cette avancée continuer. Il y a d'autres facteurs
qui sont vraiment réellement des freins, dont notamment une partie de l'administration et d'autres facteurs aussi qui sont liés à nous-mêmes, aux startups, à nos produits. Je vais un peu généraliser, mais je pourrais dire et affirmer que on sait faire de la technologie en Tunisie, de la très haute technologie, sauf que parfois on sait très mal packager cette technologie. Et ça, c'est valable pas pour que la technologie, mais pour d'autres produits aussi, en partant de l'huile d'olive et les exemples sont multiples. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire côté marketing, côté packaging, des efforts commerciaux pour pouvoir s'exporter. Alors, les difficultés, ça peut être des détails au niveau de la Banque centrale ou bien au niveau de l'administration, la douane, même pour participer à un salon, parfois, on peut attendre quelques mois avant d'avoir une autorisation de virer quelques milliers d'euros comme frais de salon ou de foire pour pouvoir exporter. Ça dépend si on est dans le B2B ou bien B2C. Si on est dans le B2C, les problèmes sont surtout liés au financement, en devises essentiellement. La carte technologique, certes, elle résout beaucoup de problèmes, mais ne résout pas tous les problèmes. Quand on fait du B2C, on est appelé à investir beaucoup de cash en devises pour faire du marketing essentiellement. C'est ce qui permet aux startups de s'exporter ou d'exporter leurs produits. Quand on fait du B2C, B2B, c'est aller au salon, faire du commercial, faire du porte-à-porte dans divers pays. Par la suite, avoir des filiales. Ça, on va revenir à la question, l'œuf ou la poule. C'est il faut avoir un compte en devises, on l'a, mais sauf qu'il est vide. On peut le renflouer, on peut le remplir avec le chiffre d'affaires à l'export, sauf qu'on ne peut pas faire de l'export parce que notamment il y a ce genre de problème. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié, mais aussi il y a certains problèmes liés à la nature du produit. Ça dépend si on exporte du software ou bien du hardware. Nous, on peut parler des deux problèmes parce qu'on fait les deux. Si c'est du software, il y a même des problèmes quand on, par exemple, si on vend des solutions sur le cloud. Et si c'est des abonnements, genre du revenu récurrent, si on vend une application à 2 dollars par mois, ça va causer des problèmes au niveau de la monnaie tunisienne, de la Banque centrale, des fiches à remplir, en tout cas des procédures administratives qui sont extrêmement lourdes. Et si dans le hardware, on a du mal à importer certains composants pour pouvoir les revendre par la suite comme produit final. Donc, je ne veux pas dire que tout est noir, mais il y a beaucoup de chemin qui a été fait grâce notamment au Startup Act, mais il reste encore quelques problèmes à résoudre. Merci, merci Yes. Donc, je résume essentiellement la problématique de toi en tant que start-upper, c'est la réglementation de change, la non-convertibilité de la monnaie locale, parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas de monnaie digitale encore, bien qu'il y a bien des essais là-dessus. Avec la Banque centrale. Maintenant, c'est essentiellement ça, et peut-être aussi les questions de douane. Mais il y a de l'avancement avec Startup Act. Je vais m'orienter vers Amel, qui est la présidente de Startup Tunisia, qui est l'association qui regroupe les start-upeurs. Je sais que Amel, tu vas intervenir aussi en tant qu'acteur, mais en tant que représentante des start-up, dis-moi, quels sont les qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous allez et allez partout dans le monde, puisque Yasser nous dit qu'on a les capacités techniques. Voilà. Et si on peut Très le bien. faire ou pas? La réponse est oui, bien sûr. Of course, we can. La question est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on cherche à s'internationaliser? Pourquoi est-ce qu'une start-up tente de trouver des accès à de nouveaux marchés? C'est un fait qui est indiscutable que le marché tunisien reste quand même très petit et qu'une start-up se définit par sa capacité to scale, de se développer d'une manière exponentielle. Donc il y a
recherche d'expansion à l'international by design, dans le modèle, dans le business model de la startup. On regarde, si on regarde aujourd'hui les 450 startups labellisées suite au mouvement Startup Act, je l'appelais mouvement parce que c'est justement une transformation pleine d'énergie. Donc, suite à ce mouvement, il y a 450 startups labellisées dont la moitié sont, par exemple, actives dans le B2B. Et le B2B est peut-être un véhicule d'internationalisation, d'exportation de ces startups qui partiraient à la recherche de nouveaux marchés et d'entreprises à laquelle elles apporteraient des solutions. Il est vrai que pour des solutions qui sont plutôt B2C, les solutions sont plus hyper-local, elles cherchent à résoudre des problématiques liées aux consommateurs, à l'utilisateur actuel, à l'utilisateur local en fait surtout, et que les perspectives d'exportabilité sont un peu plus challenging, si j'ose dire. Comme l'a mentionné Yes tout à l'heure, Startup Act 1.0, si j'ose l'appeler comme ça, est une première étape. Et c'est une première étape magnifique qui a donné un signal très fort au niveau local et international aussi, que la Tunisie est un pays de talent, et que la Tunisie est un pays qui produit des solutions et des produits aussi, pas uniquement une destination de nearshoring. Et donc ça, c'est un véhicule de positionnement exceptionnel pour la Tunisie. Et plusieurs partenaires l'ont reconnu. Donc les acteurs de coopération internationale, l'Union européenne, l'AFD Expertise France, la GIZ, etc., ont reconnu justement le potentiel de la start-up pour réaliser le plus grand KPI de tous ces acteurs, qui est la création de valeur et la création d'emplois. Le Startup Act 1.0 est une étape. Le Startup Act 2.0 est loading. Et un des véhicules de réalisation du potentiel du Startup Act 2.0, c'est justement d'identifier les gaps de Startup Act 1.0. Et donc, on est dans une motion qui est continuous improvement. On réfléchit comme une startup. On a lancé un MVP, on a appris à travers le retour du marché. Et là, on améliore et on lance la nouvelle version. Plus un véhicule très important dont parlera certainement Monsieur Ptaïb, c'est la partie financement. Le financement comme véhicule de croissance. Parce que si on parle d'international, c'est des stratégies qui sont très gourmandes en ressources, et en ressources, je veux dire, humaines, talents, mais aussi en ressources financières pour partir à l'international. Ce qu'on aurait envie de réaliser aussi, c'est de garder la création de valeur en Tunisie. Ce qui se produit en Tunisie, c'est que dès que la startup cherche à s'attaquer à de nouveaux marchés, elle est sourcée, elle est curated proactivement par des acteurs qui vont l'inviter, faciliter tout ce qui est relié à son installation à l'international. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde entier, c'est une guerre autour des talents. Ce qu'on cherche, c'est attirer les talents. Et il ne s'agit pas uniquement du talent de l'entrepreneur, mais aussi les talents qui entourent l'entrepreneur. Tous ceux qui vont contribuer à monter le business, à monter le produit. Peut-être un véhicule aussi de création de valeur à l'international, et je m'arrêterai là, c'est la composante de réseau. Il est important de créer, donc nous on s'amuse en Tunisie, on pense qu'on est tout content de l'énergie, de tout ce qui se passe en Tunisie, mais le monde ne le sait pas encore, donc il ne sait pas encore qu'il y a vraiment du potentiel, il y a de la matière à collaborer avec la Tunisie, et que la start-up est peut-être the bet, le pari de collaboration avec la Tunisie. Donc il y a du travail qui se prépare en mode country branding avec la composante startup et innovation comme véhicule de country branding, mais il y a aussi la composante de collaboration et de réseau. Et là, je salue nos hôtes aujourd'hui avec Emerging Mediterranean qui se prépare aujourd'hui, qui a programme d'accélération, d'accompagnement de pépites de Tech for Good. C'est entre autres, ce type d'initiative qui connecte les différents écosystèmes au niveau de la région Méditerranée, au niveau de du continent africain, ça c'est essentiel parce que ça c'est un véhicule de collaboration, de création de networks qui vont aboutir à des business. Donc voilà, continuous improvement, yes. Compete on talents et opening doors, connecting the dots.
Super, merci Amel. Donc je retiens fantastique, je retiens Startup Act 2.0 is loading, fantastique. Et puis qu'il y a déjà des talents que les gens ne le savent pas, qu'il y a des success stories. D'ailleurs, moi je suis depuis 5 ans l'investissement dans les startups en Tunisie. Le chiffre est en train de multiplier par 2 à 3 tous les ans. Ça veut dire on est dans une courbe exponentielle. Donc, les Parfait. investisseurs venaient investir avant que ça soit trop cher. Mais on a aussi ce que tu dis, c'est qu'il faut le networking, le réseau, et il faut rajouter cette composante networking. Avant d'aller au pouvoir public, qui se rend à la fin avec si Hassan Harabi ou avec Saalia Abdeslam, qui est le détenteur du fond et qui a on pense qu'il a la baguette magique. Je vais passer à une initiative assez très intéressante, qui est Aziz Anougli, qui est la programme manager de Investi. Alors, si tu peux nous en parler un peu, parce que c'est dans la communauté mettre les réseaux ensemble. Exactement. Merci beaucoup, Normé. Je suis très ravie de faire partie de ce panel très intéressant. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau outil Investi qui opère sur l'écosystème entrepreneurial tunisien. Donc, déjà, le projet Investi, c'est un projet de l'organisation Tunisian Startups. Il est financé par l'Union européenne à travers Expertise France et c'est dans le cadre d'un grand projet qui travaille sur l'écosystème et qui s'appelle Innovie. Donc, on a démarré ce projet avec la vision de créer un dispositif qui va permettre déjà de fédérer les acteurs de l'écosystème entrepreneurial tunisien et aussi de valoriser son potentiel et de faciliter sa connexion avec les écosystèmes internationaux. Donc, comment techniquement donc Investi, c'est une communauté qui va représenter l'écosystème entrepreneurial tunisien sur la plateforme internationale de matchmaking EuroPitié de BPI France. Donc aujourd'hui, c'est la seule communauté qui existe sur cette plateforme pour représenter la Tunisie. Et on propose plusieurs services donnant la possibilité de connecter les startups tunisiennes prometteuses qui ont un haut potentiel de croissance et d'internationalisation avec des investisseurs locaux, mais aussi internationaux. Donc, la connexion se fait principalement à travers des sessions de e-pitch qu'on organise tous les 2 mois. Et il y a tout un process de sélection qui se fait des startups tunisiennes et qui nous permet de préparer un deal flow exclusif et de qualité pour les investisseurs internationaux. Et je voudrais justement rebondir sur le point qu'a mentionné Amel tout à l'heure, sur le fait que c'est très important de penser au financement des startups pour se développer à l'international. Et l'objectif de cet outil Investi, c'est de donner cette opportunité aux startups tunisiennes qui sont à la recherche de fonds, de trouver des investisseurs pour lever des fonds, pour aller vers l'international. Donc, par les sessions de pitch qu'on organise, il y a un travail aussi très important qui se fait en termes de branding de la Tunisie en tant que destination pour investir en partie. Et voilà, donc on organise aussi beaucoup de webinaires qui sont généralement autour de l'investissement. Notre objectif, c'est aussi toutes les informations nécessaires aux investisseurs étrangers pour connaître un petit peu plus la Tunisie, comment investir, pourquoi investir en Tunisie. Et on offre un service d'accompagnement afin de se connecter avec les startups tunisiennes. Voilà. Merci beaucoup, Aziza. Super, super outil. Tu as mentionné quelque chose d'intéressant, que c'est un outil qui nous met avec la plateforme EuroQuity, dans laquelle il y a plein d'autres communautés. Et tu as mentionné entre les lignes ce que vous faites avec les Business Angels. Tu ne l'as pas exprimé directement, mais vous êtes en train de faire un travail exceptionnel avec les Business Angels parce que les startups, avant d'aller vers les grands fonds d'investissement, ils ont besoin des fonds des Business Angels, disons, pour parler en euros, des petites sommes entre 5 000 et 50 000 euros, quoi, pour que les choses puissent aller avant qu'ils soient prêts pour des VC. Super, je reviendrai vers toi. Pour une autre question, je vais aller à un autre acteur
qui depuis quelque temps, grâce à le dynamisme de sa représentante Imen ici, qui s'oriente vers les startups. Que fait une société comme Ernst & Young qui s'occupe des startups qui n'ont pas d'argent pour payer alors que je vous vois partout avec les startups. Dites-nous ce que vous apportez à cet écosystème. Imen? Ouais. Merci Norman pour ta question. Je commence d'abord par remercier Emerging Valley pour ce voyage autour de l'innovation, autour de l'écosystème innovation méditerranéen. Effectivement, EY considère aujourd'hui que l'accompagnement des startups et PME innovantes est au cœur de la stratégie pour transformer notamment le tissu économique tunisien. En fait, nous les soutenons dans leur développement, mais aussi dans la démarche d'accès au marché, et ce, à l'échelle nationale et internationale. Pour cela, nous avons développé un programme d'accompagnement à l'Open Innovation, qui s'appelle ScanAdMatch. ScanAdMatch vise à créer des modèles réussis de collaboration entre les startups B2B et les grandes entreprises à gagner de nouveaux marchés en boostant leur capital de confiance. ScanAdMatch aux startups de nouvelles et larges perspectives de croissance en Tunisie à l'international. Grâce aussi au portefeuille client de EY, mais aussi au réseau de centres d'innovation et de workspace de EY. Je cite à titre d'exemple, nous sommes en train de collaborer aujourd'hui avec EY Luxembourg, qui est en train de piloter le programme European Program Council, et dont l'objectif que Luxembourg joue le rôle de passerelle entre les startups du monde et le marché européen. Et c'est là où EY Tunisie peut jouer vraiment ce rôle de facilitateur et de garant pour l'accélération des startups tunisiennes afin d'accéder au marché européen. Ce qu'on met aussi à disposition des startups, on met à disposition un outil technologique de data visualization dénommé GBB et permettant d'accompagner et faciliter les décisions stratégiques de croissance à l'international. Ce GBB recense en fait plus que 5000 data économiques par pays et par secteur. Et là, c'est vraiment ouvert aux startups tunisiennes pour leur donner justement de trouver les opportunités business sur la carte du monde. Mais super, super. Merci Imen. Donc, vous accompagnez les startups. J'ai une question mais les startups n'ont pas d'argent pour vous payer. Comment vous faites? Je vais revenir. On garde cette question. Il y a Yesser qui voulait répondre. Alors, mais avant on a développé ce point. Oui, il y a un petit décalage. Excusez-nous parce qu'il y a un décalage entre ce qu'on entend et ce qui se passe. Donc, je vais, avant de revenir sur cette question, gardez-la en tête. On va y revenir. Sialaya Bettaïb, vous êtes le grand Manitou aujourd'hui parce que vous êtes monsieur l'opérateur de Startup Act. Vous avez, j'ai compris, vous avez labellisé 450 startups tunisiennes, dont certaines sont un peu partout dans le monde, hein, et 450 startups, bravo. Et on me dit que vous avez beaucoup d'argent, mais on n'arrive pas à les dépenser. Est-ce vrai tout ça? Parlez-nous-en, dites-nous la réalité. En tout cas, merci infiniment, Norman. Je voudrais tout d'abord remercier Emerging Valley pour cet intérêt pour l'écosystème des startups en Tunisie. J'enchaîne, en fait, absolument. Donc, ça fait il y a deux jours seulement que Smart Capital a lancé le fonds de fonds Anava. C'est un fonds libellé en euros. Donc, juste pour commencer, pour dire qu'on va commencer à résoudre les problèmes.
en fait, d'internalisation des startups. Et que, effectivement, ce fonds de fonds vient couronner un peu le succès de Startup Act, comme l'avait mentionné Amel, qui labellise annuellement pratiquement 200 startups. L'objectif, c'est d'atteindre 1000 startups au bout de 5 ans. Nous n'avons même pas fini la deuxième année. Nous avons atteint aujourd'hui 450 startups labellisées. Suite à un effort vraiment considérable, pas seulement de l'équipe de Smart Capital, mais aussi d'un collège qui formait un peu des éminents entrepreneurs et serial entrepreneurs en Tunisie et aussi d'autres acteurs qui ont vraiment veillé à faire cette sélection-là. En fait, pour nous, en tant que gestionnaire de fonds aussi, c'est un gage de sécurité pour le fonds de fonds qui a eu aussi l'aval des bailleurs et des partenaires de la Tunisie, Banque mondiale, KfW, Union européenne, etc., donc qui ont effectivement contribué à ce fonds-là de 200 millions d'euros. Alors, pour revenir un peu à la question d'internationalisation, effectivement, le fonds va avoir la possibilité de créer des fonds sous-jacents et que ces fonds sous-jacents-là donc vont avoir un compartiment en dinars et un compartiment en euros, en devises, pour effectivement donner la possibilité aux startups de s'internationaliser, donc d'ouvrir. Donc, ils ont un droit à un compte en devise qui va faciliter effectivement cette possibilité-là, pas seulement en termes de chiffre d'affaires de leur activité à l'exportation, etc., mais en termes aussi d'investissement, c'est-à-dire le fonds de fonds va leur donner cette possibilité-là pour faire toutes les actions à l'international. Aussi bien d'acquisition donc de produits ou bien d'acquisition même de start-up fusionnées ou bien d'ouverture en fait de filières ou bien de filiales à l'international. Allez, donc ça c'est une chose, un avantage extraordinaire qui n'est donné qu'aux start-up. En fait, ceux qui connaissent un peu la Tunisie savent que pour la PME d'une manière générale, les sociétés classiques, ils ont besoin d'une autorisation de la Banque centrale de Tunisie pour pouvoir le faire avec des seuils dans en termes de chiffre d'affaires, etc. Donc, ceci est un élément que je considère assez important qui va encourager effectivement les startups. Il y a un autre statut dans le cadre de Startup Act qui est, à mon avis, extrêmement aussi important, c'est le statut d'opérateur économique agréé. Et c'est une facilitation, en fait, douanière pour les importations, mais surtout les exportations. Donc, ça aussi, c'est un atout qui est très important, qui pourrait effectivement permettre un peu à la start-up de grandir et d'aller à l'international. En fait, ça, ce sont des éléments, Naamen, sur un peu les avantages de Startup Act et aussi qu'est-ce que le fonds ANAVA a permis pour effectivement aider à l'internationalisation de ces start-up. C'est Alaïa Yabrab. Avant de passer à Hassan Harabi, qui représente l'autorité publique aujourd'hui, le ministère des technologies, j'ai une autre question pour vous. Ces fonds-là, c'est des VCs, et ils ont besoin, leur ticket d'investissement, c'est 1 million d'euros. Mais est-ce que vous faites autre chose pour l'écosystème lui-même, pour que l'écosystème avance? Absolument. Parce qu'il a besoin de l'argent public. Hein. Absolument. En fait, Norman, vous avez posé la question de la bonne manière parce qu'effectivement, Smart Capital est l'opérateur de Startup Tunisia. En fait, c'est un label que la Tunisie est en train de préparer pour dire que la Tunisie, effectivement, veut se positionner comme étant un pays de startups. Alors, son travail, sa mission, elle est autour de trois axes. Le premier axe, comme mentionné, et Amel l'avait mentionné, Amel déjà et Hassan, ils sont dans le collège de start-up que j'avais mentionné auparavant, que je remercie vivement au nom de tous les start-up. Ça, c'est le start-up. Le deuxième, comme j'avais mentionné, donc c'est l'axe financier. Mais le troisième, effectivement, c'est l'écosystème. Tous les pays qui ont réussi leur start-up, ils ont toujours mis un écosystème qui accompagne la start-up avant son démarrage, lors de son démarrage et aussi après sa création. Donc, nous, on a créé actuellement l'appui de la Banque mondiale avec l'appui de la JZ, donc la coopération allemande, un programme qui s'appelle Flywheel. Et Flywheel, un peu appuie
les structures d'appui aux startups en Tunisie, aussi bien incubateur, accélérateur, startup studio, coworking space, name it. Hein. Donc tout ça, ce sont des structures qu'on appuie, non seulement qu'on appuie, mais on certifie aussi, parce qu'on a besoin de travailler avec des institutions qui opèrent avec les bonnes pratiques d'accompagnement des startups. Il y a des bonnes pratiques même dans les incubateurs accélérateurs partout dans le monde. Donc il y a des normes qui... Donc ça, c'est un élément. Donc dans le cadre de ce programme-là, Smart Capital donne des bourses pour les startups qui veulent créer leur prototype. Elle donne des bourses aussi qui sont semi-remboursables pour des startups qui sont dans la phase Death Valley, donc la vallée de la mort, donc avant d'aller à Series A, donc de financement, comme vous l'avez mentionné. Donc on les donne cette bourse-là pour passer ce cap un peu assez dangereux pour la startup avant vraiment d'être dans... Et aussi, on a non seulement ça, mais on a deux autres mécanismes financiers d'appui qui sont des dents, alors là, des purs dents, pour les structures d'appui. On a un qui s'appelle DEAL, donc c'est le don d'encouragement, seulement de programmes d'appui aux startups, qui est extraordinaire, on donne 200 000 dinars, donc c'est l'équivalent de pratiquement 70 à 80 000 euros. Et le second, et on l'appelle le SALE, donc c'est aussi un don de 50 000 dinars d'appui aux programmes qui ont réussi. Ça veut dire les programmes qui ont été lancés, on fait un audit, une évaluation après une année un peu de lancement de ce programme. Si on veut que le programme il génère en fait des startups qui sont labellisées ou bien qui arrivent à obtenir un financement à travers les fonds d'investissement ici et là, on leur donne 50 000 dinars pour continuer effectivement ce programme, réussir ce programme et continuer un peu l'appui aux startups. Donc ce sont effectivement, Armel, vous avez bien vu, ce sont deux mécanismes qui vont en parallèle, qui peuvent effectivement changer complètement l'écosystème des startups en Tunisie, voilà. Dans la bonne direction. Super. Donc, ça semble too big to be too good to be true. Je signale que c'est des startups, c'est des mécanismes qui viennent de commencer. Donc, pour que oui, on vient de démarrer. D'accord. On vient de démarrer. En fait, on a lancé l'appel à participation pour les structures d'appui et aussi pour les startups. Et que le dernier délai, il va y avoir pratiquement un mois, tout le mois d'avril pratiquement, pour la sélection. Donc le 1er mai, c'est vraiment le dernier délai pour bénéficier un peu de ça. En fait, il y a une analogie, Naamen, que je voudrais donner. Emel, tout à l'heure, elle avait parlé en fait, de start-up labellisées. Nous sommes à la fois de labelliser start-up d'une part et certifier les structures d'appui de notre part. Donc de façon à ce que les mécanismes soient des mécanismes agréés conformément aux standards internationaux. Donc, ce que je retiens, l'opérateur tunisien de Startup s'occupe du futur de Startup Act 2.0, la nouvelle, le collège des startups, etc. Du fonds pour avoir de l'investissement et aussi une troisième branche qui est l'écosystème. L'écosystème. Et je signale pour qu'on précise à tous nos amis qui nous écoutent, c'est un modèle qu'on espère qu'il va réussir, que c'est de l'argent et public et de l'argent emprunté et de l'investissement d'extérieur. Donc c'est l'argent du public. Absolument. Donc quand on dit. Le goût tunisien. Absolument. On emprunte l'argent, donc c'est l'argent public que le contribuable va rembourser, qui est mis à disposition de ces startups. Bon, alors, si Hassan Harabi vous représentez le gouvernement, en général, on vous dit, mais tout est en train de faire, donc est en train d'être fait, vous n'avez rien à faire, c'est bien ça? Et on a qui sont exportés. Après, il y a quelque chose de faire, parce qu'on ne voit pas les startups tunisiennes à l'international. On voit quelques-unes. Je dois signaler, par exemple, je donne juste un exemple pour nos amis méditerranéens, le Instadeep, une startup dans l'intelligence artificielle, oui. Était la première startup
dans le monde à faire un laboratoire avec BioNTech, ceux qui ont fait avec Pfizer la première, le premier vaccin. Antivirus. Donc franchement, il y a des choses, des prémices. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire au gouvernement ou vous êtes en train de prendre des vacances? Vu le panel, je pense qu'on peut prendre des vacances. Non, plus sérieusement, en fait, il y a eu plusieurs sujets, c'est normal, comme vous l'avez dit, en fait, qui ont été abordés là, et on parle d'internationalisation, il y a plusieurs axes, en fait, qu'on a effleurés tout au long de la discussion. Anava qui commence, et je pense que c'est un bon catalyseur, en fait, pour l'écosystème qui était attendu depuis quelques temps, et heureusement, il a été lancé maintenant. Pour regarder plus l'avenir, du coup, et c'est bien, en fait, tout ça, c'est positif, mais comment on peut faire mieux? C'est toujours en fait ça l'idée, c'est de comment aller de l'avant et comment accélérer les choses. Je vais rebondir par rapport à ce que vous avez dit, Norman. Vous avez parlé d'Instadip. Il n'y a pas qu'un Instadip, il y a Barra qui est fabuleuse, il y a Dexprotein, etc. Il y a plusieurs startups aujourd'hui qui sont reconnues à l'international, qui commencent à faire en fait leur place dans le marché international. Qui s'internationalise. Dans l'internationalisation, il y a deux aspects. Il y a, je prends la start-up, je vais m'installer au UK, San Francisco, à Berlin, à Paris. Il y a l'accès également au marché international. Donc, dans les deux approches, c'est que dans la première, c'est positif parce que ça permet de créer cette marque dont a parlé Amel, le branding tunisien. Mais le côté négatif, c'est que la valeur, elle sera générée ailleurs. Elle ne sera pas générée dans l'économie tunisienne. Et le deuxième axe, c'est comment aider les startups à adresser d'autres marchés. Le marché tunisien est un petit marché, il n'est pas viable en fait pour une startup. Et du coup, comment les aider? Donc sur le premier axe, aujourd'hui, l'idée, c'est de regarder pourquoi ces startups-là qui sont en train de réussir et d'exploser en fait, de vraiment briller à l'international, quittent la Tunisie. Donc il y a principalement trois sujets qui remontent et qu'on va essayer de traiter, qu'on est en train de traiter. C'est un, le premier, c'est le cadre réglementaire. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on en a parlé, le code de change, l'administration, la réglementation tunisienne, la douane, etc. Il y a l'investissement, l'accès à l'investissement. C'est vrai, aujourd'hui, Smart Capital apporte une certaine réponse, surtout dans les premières phases. Mais la vraie question aujourd'hui qu'on peut se poser également, que faire durant les séries B, c'est-à-dire aujourd'hui, Startup Act a permis de créer une certaine abondance à l'entrée du funnel. On va être capable de financer, mais si l'ambition aujourd'hui de la Tunisie d'avoir sa licorne et de briller en fait avec une grande entreprise qui devient une grande entreprise, il faut se poser dès aujourd'hui la question comment accélérer ce financement durant les phases ultérieures. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de lacunes et c'est pour ça que ce type de startup aujourd'hui quitte le territoire pour aller s'installer ailleurs parce que les VC, vu la lourdeur administrative et la réglementation tunisienne, aujourd'hui, la Tunisie n'est pas très attractive par rapport à ces acteurs-là. Et le troisième axe, on en a parlé, la Tunisie est un bon bassin d'emploi, c'est un bon réservoir de talents, mais qui aujourd'hui n'est plus suffisant quand on discute avec certaines startups. Moi, j'ai entendu dire aujourd'hui, la Tunisie, en fait, n'est plus attractive pour eux, en tout cas en termes de talent, et qu'ils arrivent à trouver d'autres zones, d'autres bassins d'emploi qui sont aussi intéressants, voire plus intéressants que la Tunisie. Donc ça, c'est un axe qu'on est en train d'adresser dans notre stratégie, en fait, comment booster en fait la formation dans les technologies et comment créer une certaine avance technologique pour justement devenir attractif par rapport à ces sujets. La deuxième partie qui est l'internationalisation, l'accès au marché international, là, je pense que l'État peut jouer un vrai rôle. Je pense qu'on ne le joue pas assez. C'est la diplomatie, c'est ouvrir les accès. Ouvrir les accès, un, en interne, pour permettre aux startups de grandir à travers l'administration et à travers les projets locaux en Tunisie. Et deux, à l'international, en ouvrant les accès à travers les relations diplomatiques tunisiennes. Moi, je cite un exemple, j'ai vu un pays qui nous a, dans un marché en Tunisie, où le ministre a pris l'initiative pour contacter, pour essayer de dire pourquoi vous n'avez pas pris une autre solution. Et c'est ça le rôle vraiment de l'État qu'elle peut jouer. Comme vous savez, aujourd'hui, l'État financier
tunisien, en tout cas, la situation financière n'est pas positive. Donc, on ne va pas être un pays comme la France où la BPI va mettre à disposition un fonds pour l'export et financer des projets à l'international. Par contre, on peut jouer ce rôle-là de pousser des solutions tunisiennes, de brander les solutions tunisiennes. On est en train de travailler sur ce sujet-là, notamment avec Ahmed, avec d'autres acteurs de l'écosystème, sur comment transformer la Tunisie en terre du numérique. Donc, les idées sont encore en phase de, comment dire, d'acculturation, de finalisation. On a quelques axes et ça va finir par, durant les prochains mois, avec une démarche agile, de s'affiner, d'être plus précis. Mais merci beaucoup, Zahsan. Vous me rassurez sur deux points. Le premier, que vous n'êtes pas en train de chômer. Donc, en tant que payeur de taxes, je suis content. Et le deuxième, c'est que vous regardez l'étape d'après. En plus des trois axes, l'axe légal, on en a parlé. Le fan, l'entonnoir que vous êtes en train de prévoir déjà, cet entonnoir qu'on commence à remplir pour l'étape d'après, les séries B, etc. Et puis, la scarcity of talent qu'on doit faire. Il y a un autre point que je sais sur lequel l'écosystème travaille, mais qui n'est pas forcément présent aujourd'hui, c'est dans l'internationalisation, c'est l'importance de la diaspora et des business angels des diasporas, que ce soit au niveau tunisien ou au niveau maghrébin, puisqu'il y a aujourd'hui des associations de business angels. Il y a le Maghreb Diaspora Business Angel Network qui est en train de se former. Que des bonnes nouvelles. Maintenant, revenons à la réalité et je vais revenir vers toi, monsieur start-upper, Yasser. C'est que des paroles ou c'est que des paroles ou il y a du... Dis-moi, réellement, monsieur start-upper, vous êtes le point focal de cette discussion. Alors concrètement et objectivement, il y a beaucoup d'efforts qui ont été déjà faits, mais on sent aussi une volonté de la part. D'abord, je vais revenir à ma remarque de tout à l'heure quand vous avez demandé à Imen de EY comment vous faites. Les startups ne peuvent pas se permettre les services d'un tel cabinet. Alors moi, je vais témoigner pour remercier Imen, EY, parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Ils font de bénévolat, tout simplement. Pour plein de services et surtout avec tout ce qu'elle a cité comme services offerts, mais surtout il y a un soutien moral énorme. On sent vraiment en tant que start-up, moi je peux témoigner de ça, j'ai vécu l'expérience, on sent vraiment qu'on est adossé à une grosse structure et qui peut vous ouvrir plein de marchés, notamment l'Afrique, là où il y a un bureau EY, on sait qu'il y a des contacts, qu'on peut collecter de la data, qu'on peut contacter des clients directement à travers EY. Donc ça, c'est entre parenthèses, merci Imen encore une fois. Je vais m'adresser à l'administration. Soyons positifs et je veux vraiment que ce panel se termine tout à l'heure sur une note positive. Je suis rassuré aussi par les paroles de Monsieur Harabi, que je remercie, parce que je sens qu'il est de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, du côté des jeunes et moins jeunes, des start-upers, des nouveaux opérateurs de l'économie tunisienne, parce que durant les 5-6 dernières années, ou pendant la période de gestation, et vous avez été témoin de ça, c'est normal, toute la période de gestation du Start-up Act, il y avait toujours... une partie de l'administration qui était de notre côté, et c'était le ministère des Technologies avec le ministre et ses conseillers. Donc, je suis rassuré de voir qu'on continue sur cette même philosophie, que ce ministère-là est du côté des start-upers. Je ne vais pas dire contrairement au reste de l'administration, mais soyons francs, il y a comme une sorte de conflit de génération entre le nouveau modèle économique et l'administration et la façon de faire de l'administration. Nous, on est beaucoup plus agile, on réfléchit autrement, on pense à un modèle économique autre que les 30 ou 40 dernières années. Donc, et on veut que tout cela change. Je vais m'adresser aussi à M. Alaïa Boutaï. Je vais alourdir peut-être la responsabilité. Moi, sincèrement, je ne vous vois pas comme étant le gardien qui a la clé du coffre plein d'argent. Je vous vois comme le capitaine, ou le commandant de bord, qui peut guider tout le pays vers un nouveau modèle économique
Parce que, croyez-le, parmi ces quelques dizaines ou centaines de startups actuelles ou dans le futur, on peut changer le visage de la Tunisie, l'économie du pays, on peut tirer vers le haut. Et il y a une réelle volonté de la part des startupeurs. Et vous avez certainement rencontré beaucoup de gens sincères, parce qu'il y a, comme, je ne sais pas le nombre exact, mais il y a une génération de startupeurs actuels arrivés à un certain stade. Je ne parle pas d'Expansia ou d'Astadip, mais un peu, qui ont un peu de retard par rapport à eux, mais qui sont sur cette même lancée, qui ne veulent pas quitter le pays, qui veulent que la richesse et la valeur restent dans le pays. On le fait par amour pour ce pays. On fait du business, certes, mais il y a vraiment beaucoup de volonté derrière pour rester et pour faire avancer les choses à partir d'ici et exporter à partir d'ici et non pas aller et se déplacer. Donc, je ne vais pas taper sur l'administration comme j'ai souvent l'habitude de le faire parce que je sens une certaine sincérité dans le discours des deux représentants de l'administration. Voilà. J'espère qu'on a la même vision des choses parce que c'est toute une philosophie derrière le Startup Act et tous les mécanismes et tout le, et tout le, c'est pas juste des outils. Voilà. Merci. Yes, il nous reste 7 ou 8 minutes. Donc, on va faire un deuxième tour. Je pense, j'ai l'impression qu'on dit tous la même chose, mais avec une nouveauté que les startups nous croient l'administration. Ce n'est pas Oui. toujours le cas. C'est une excellente chose. On a les prémices que les choses avancent, que le plan, il faut l'exécuter. Avant de revenir faire un tour, Amel, tu es aussi accompagnatrice de start-up, autre que ton travail bénévole de présidente de Tunisian Start-up. Tu gagnes ton pain quelque part sur Start-up Support Organization. Ou tu le fais aussi par amour, je sais. Qu'est-ce que vous faites aussi pour quels sont les autres plans les autres initiatives pour l'export des startups? Dans une ou deux minutes max, et après on va faire une minute pour chacun. Très bien. Merci Narmen. Je suis très élan de patriotisme qui a été exprimé par tout le monde sur ce panel. Et donc, on s'inscrit justement dans une vision de construire pour la Tunisie, parce que c'est un pays, c'est des compétences who are worth it. C'est dans cet élan qu'on a réfléchi le modèle de Betacube, qui n'est pas réellement un incubateur ou accélérateur. C'est un hybride, c'est pas une structure d'accompagnement uniquement, mais c'est une sorte de cofondateur hands-on. Donc, on est le cofondateur de plusieurs startups à la fois, et on essaie de mutualiser des ressources, de créer des frameworks pour que ces startups passent très rapidement de l'étape idée à l'étape de start-up qui soit investable, qui soit fundable, qui soit validé sur le marché. Donc, on est parti du coup de plusieurs problèmes qu'on voulait résoudre justement. L'opportunité, si j'ose dire. Il y a aujourd'hui des corporates qui ont des entreprises qui ont des challenges. Et donc, si on arrive, nous, en tant que cofondateurs de Betacube, donc j'ai cofondé Betacube, by the way, en partenariat avec WeView, qui est une société technologique qui travaille avec des entreprises depuis très longtemps et donc qui est confrontée à leurs challenges on a day-to-day basis. Et donc, on est parti de ce asset-là. On comprend les challenges de l'entreprise et donc on peut leur apporter des solutions en mode start-up parce qu'on réfléchit. On peut réfléchir en tant que Betacube en mode startup. Donc ça d'une part. Donc il y a un rapprochement. On me dit qu'il nous Très reste bien. une Donc minute pour tout je le monde. continue en mode hashtag. Connexion avec les corporates. Connecting the dots est un élément essentiel pour l'internationalisation, en local et à l'international. Donc, on a construit un framework qui connecte la diaspora tunisienne, les Tunisiens partout. Donc, on peut co-créer des startups avec les Tunisiens partout parce qu'on a construit un digital collaboration environment. Et donc, connectez-vous sur The Tunisian Hub pour connecter avec tout ce beau monde. Et voilà, je laisse la Super. parole pour to close Je vous rappelle que nous sommes tous des Maghrébins d'origine tunisienne ou des Méditerranéens d'origine tunisienne. Donc, si vous sentez cet élan de nationalisme, il est dans une emerging vallée méditerranéenne qui nous contiennent tous. Alors, très rapidement, c'est Alaya. Si je suis une start-up Absolument. à l'international et je veux venir ici, qu'est-ce que vous faites pour moi?
Parce que l'export, ça se fait dans les deux sens. En fait, Naamen, c'est très bien. En fait, il y a un point qui est très important qui a été mentionné par Hassan, ou le Series B. En fait, le fonds de fonds Anava veille à créer une multitude de fonds dans tous les segments de croissance de la start-up. Ça veut dire le seed, le early and the later stage. Ça veut dire donner vraiment la possibilité dans toutes les étapes de croissance de la start-up. Qu'est-ce que vous faites? D'aller à l'international. Mais en fait, très sincèrement, moi, je vois que le plus grand problème pour les start-up, pour vraiment avoir accès au marché et aller à l'international, c'est essentiellement, comment chercher un peu les clients, comment avoir cette possibilité. Or, malheureusement, les startups aujourd'hui, ils n'ont ni les fonds, ni les contacts, ni la capacité de pouvoir le faire. C'est vrai, nous, on va mettre en place les outils financiers, mais cette alliance avec aussi bien la diaspora ou bien d'autres, elle est extrêmement, ou bien avec l'écosystème, les institutions, comme l'avait mentionné ML et autres, qui sont très importants pour pouvoir réussir tout ça. Merci beaucoup. Je retiens que vous n'avez pas encore pensé à ouvrir les frontières pour les autres startups pour qu'ils viennent ici. Vous faites tout pour les envoyer. Il faut faire ça dans les deux sens. Un dernier mot pour... Hey, absolument. Et je vais vous raconter une anecdote. En une minute, j'animais une workshop dans la région d'Afrique du Sud avec beaucoup d'acteurs de tous les pays d'Afrique du Sud. Et ils nous parlaient de Startup Act. Ils nous expliquaient Startup Act comme étant le Holy Grail. Je dois dire à tous nos amis qui sont autour, qui nous écoutent, le Startup Act n'est pas que la loi, n'est pas que l'instrument de financement, n'est pas que l'écosystème, c'est les trois ensemble, avec surtout une co-création publique-privée. Alors, dernier mot, une phrase. Je commence, tu as le bénéfice de l'âge, Aziza. Dernier mot. Très bien. Phrase. Bon. Une phrase. Donc, je félicite tous les efforts qui sont en train de se faire au niveau de l'écosystème entrepreneurial tunisien, que ce soit au niveau du secteur privé ou bien du secteur public. Aussi, par rapport à l'investissement. Très bien. J'espère que, en tout cas, à travers l'outil investir, on va essayer d'aider les startups tunisiennes à lever des fonds qui vont leur permettre d'aller vers l'international. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Imen, une phrase. Face à tous ces angles positifs et cette belle dynamique de l'écosystème, nous ne pouvons que doubler l'effort pour soutenir davantage l'écosystème. Alors, si Harabi, vous êtes le gouvernement, une phrase. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. c'est l'exécution. C'est l'exécution, exécution, exécution. C'est ça qui nous manque. Making things happen. Et comme a dit ML, il faut connecter les gens. C'est que collectivement qu'on peut avancer. Le gouvernement, l'État tout seul ne pourra pas faire avancer les choses seul. Il faut que ça soit un mouvement d'ensemble. Et comme l'a dit ML, Startup Act, c'est un mouvement et non pas une loi. Et le Startup Act 2.0, c'est sur quoi on est en train de travailler. Donc, n'hésitez pas à nous aider là-dessus. Merci, donc, voilà. merci beaucoup. Si l'autre, il y a une phrase où la Yasser, si tu es rassuré, lève la main. Si tu n'es pas rassuré, dis que tu n'es pas rassuré. Je veux le dire. Sarlaï, il y a un dernier mot. En fait, je dis très sincèrement que la Tunisie aujourd'hui, elle est dans un tournant extraordinaire, historique, de façon avec ces trois éléments que vous avez mentionnés, la loi, la finance, l'écosystème, pourrait effectivement changer la donne et donner la chance à la nouvelle génération de rêver, comme c'est ce qui a été fait en 1972 quand on a créé le tissu tunisien avec une loi, un faux produit et un tissu de zone industrielle. Aujourd'hui, la donne a changé. C'est la technologie qui gouverne le monde. Donc, avec ces mécanismes-là, j'espère qu'on pourrait effectivement arriver et même drainer un peu la région pour un meilleur avenir pour les enfants.
Voilà, on me dit qu'on doit conclure. Eh bien, cher Emerging Valley Organizer, merci beaucoup. Nous sommes tous des Méditerranéens d'origine tunisienne, française ou autre, ou italienne, ou marocaine ou algérienne. Nous avons chacun nos spécificités, mais chacun, cet élan d'écosystème doit donner ses résultats. Et je retiens un seul mot, on a un très bon plan. Exécution, exécution, exécution. Merci beaucoup.